Eh oui, maintenant tu connais après cette intro, vidéo Master Ratus. Salut à tous les anciens, c'est Papy Gaming. Aujourd'hui, on va se farcir l'un des plus gros virus que ce jeu ait connu, si ce n'est, il est dans les top 3 des plus gros virus et des plus gros rats que ce jeu ait connu, que ce soit niveau gameplay, que ce soit niveau attitude. Je vais tout vous expliquer tout de suite pourquoi je me le farcis aujourd'hui. Petit 1, c'est hater. Mais attention, c'est pas le hater classicus, hein. Non, 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 là c'est le hater, mais celui qui te kiffe, qui pense à toi la nuit, qui vraiment, qui est sur tous tes lives avec différents pseudos, t'as beau le ban, il revient, il te kiffe, hein. Il veut te suivre sur toutes les plateformes, tu vois, celui-là, le hater passionnel. Mais ce mec-là est complètement un psychopathe, je sais pas ce qui lui est arrivé dans son enfance pour qu'il devienne comme ça, mais c'est très grave. Il envoie des messages à différentes personnes parce qu'il rage énormément pour les insulter, et une fois que les gens répondent, alors même pas en les insultant, en essayant de lui mettre un petit peu le démon, il s'amuse à essayer de récupérer les informations sur les réseaux sociaux. Il fait des tracks complètement à plusieurs personnes, il a fait ça déjà, il fait des tracks complètes en envoyant des messages de menace après. Ton père c'est machin, ta sœur c'est lui, je vais faire ci, je vais faire là. Voyez le quel genre de personnage c'est. Il fait partie d'un petit groupe de virus également qui s'amuse à récupérer les adresses IP pour boot les connexions. Ils sont deux exactement avec qui je m'occupais de leur cas. Lui, ce n'est qu'un petit pion. Le gros du morceau arrivera très prochainement, n'hésitez pas à rester branché. Allez, on va partir directement sur du gameplay, hein. Je pense que c'est suffisant pour vous montrer le personnage. La parenthèse est refermée, mais par contre elle était importante parce que ce genre de personnes sévissent de plus en plus sur le PSN autour du jeu UFC 5 et sont en train de polluer complètement le jeu et la communauté par leur attitude. Plusieurs autres personnes ont carrément arrêté, aujourd'hui j'ai encore vu un autre TikToker arrêter à cause de ce genre de personnes, car c'est les informations de sa femme, de ses enfants ont été trouvées par ce genre de personnes là, donc il faut s'en occuper et moi vous connaissez, je lâche pas le morceau. S'ils pensent éteindre papy, ils sont mal barrés, les anciens des Caraïbes, ils savent pas où ils sont tombés. Allez, c'est parti pour le combat. Donc hein, on voit, vous allez voir, hein, aucun niveau de striking. Par contre, c'est un bon spammer de sol et de clinch. Vous allez voir un peu, le match est très très intéressant niveau gameplay. Donc premier takedown défendu, je lui bloque sa première transi, ce qui est plutôt bien. Hein. Au niveau de l'endurance, regardez tout de suite, il y a un petit écart. Et ce petit écart là, il va être très important, vous allez comprendre. Oui, le but au début contre ce genre de joueur, c'est de bien défendre en premier. Ou alors, vous attaquez très très bien, mais vous risquez de vous faire amener au sol ou clincher très rapidement. Oui. Deuxième takedown, c'est bloqué encore une fois. Et je n'ai même pas mis l'atout qui permet de gérer encore mieux l'endu. Vous voyez, hop, clinch tout de suite. Hein. Alors, j'appuie sur start carrément. Triple clinch tout de suite. Hein. Il a tenté un triple clinch. Là, il fait un combo. Encore un clinch, je l'esquive. Hein. L'esquive est très importante. Il tente un takedown, je le bloque encore une fois. Regardez l'avantage d'endu tout de suite que j'ai pris, malgré qu'il tente un quatrième takedown et qu'il passe cette fois-ci. Donc là, va falloir être très patient. Là, on attend bien de trouver l'ouverture. Pour entrer la transition, j'ai rentré une transition L1 vers la gauche. Hein. Transition 4 étoiles de Jujitsu qui me permet de reprendre la full guard. Il se relève. Pourquoi il se relève? Parce qu'il n'a pas une position idéale. Il retente tout de suite un takedown. Hein. Donc là, c'est bloqué une nouvelle fois. Regardez l'endurance. Vraiment très important pour ce combat. Donc je suis toujours prêt, hein. Je prends très peu de risques et je mets des touches. Hop, un jab crochet qui rentre, il a tenté un clinch encore, hein. Vous voyez, il tente un clinch à chaque fois, donc on n'hésite pas à jabber, hein, en sortie de combo pour pas se prendre le clinch. Hop, encore un clinch d'esquiver, cette fois-ci un takedown, il monte sur mon dos, hop, je le bloque en restant appuyé sur R2, hein. On n'oublie pas, dès que ça monte sur votre cou, c'est R2. Bon, bien sûr, comme il spam, il arrive en hockey un takedown, j'aurais dû le bloquer, hein, c'était vers le haut. Donc toujours pareil, on va essayer d'être patient. Je fais une très mauvaise. Je fais pas un bon blocage, j'aurais dû bloquer. Il a pris la posture haute, la pire position, hein. C'est la seule qu'il cherche pour partir tout de suite en soumission. Là, ça va être un jeu de feinte. Vous voyez, il fait une première feinte, je la bloque pas. En fait, voilà, vous voyez, il fait plein de feintes jusqu'à lancer la bonne soumission. Vous voyez, là, j'ai bloqué la feinte, c'est moi qui ai consommé de l'endurance. Donc après, c'est moi qui lui fais une feinte et c'est lui. Regardez la bataille d'endurance. C'est moi qui ai gagné. J'étais plus intelligent sur cette séquence-là. Il veut changer. Il a fait vers le bas. Je lui fais une inversion. Donc au lieu de lancer la soumission, il a fait vers le bas pour essayer de changer de posture vu qu'il n'avait plus l'avantage d'endurance. Ce que j'ai bien sûr anticipé, je l'ai bloqué. Je suis actuellement sur son dos à cheval. Allez, mon virus.
On lui met des petites pêches dans l'oreille. Bon, alors après, il connaît. Hein. Dans cette position, vous devez absolument bloquer vers le haut. Vous voyez, il y a sur le dos. Donc, je vais faire des feintes de handbar. Là, c'est que des feintes que vous allez voir. Feinte à gauche. Et regardez, c'est son endurance qui baisse. Vous voyez, hop. J'essaye d'aller vers le haut. Il bloque bien. On reste dans cette position. À cheval dada. Allez, c'est parti. Je tente pas mal de petites feintes parce que ça compte comme temps de contrôle. Donc, tant que je suis là, bah, c'est moi qui gagne. Oh, je suis sûr, je le prends pour mon petit cheval. Donc là, c'est moi qui gagne le round. Tout doux le loup, à mon avis. Tout doux le loup, je le gagne, ce round. Donc là, on va voir les ralentis. Voilà, voilà, ralenti. Hein. Il monte la défense takedown avec le double coup de genou. Souvent, les ralentis vous donnent une indication hein, sur qui gagne le round. A priori, on dirait que c'est moi. On verra à la fin. Hein. Mais je pense que la défense peut être favorisée. Et le nombre de coups que j'ai mis, plus le temps de contrôle. Donc, deuxième round. Donc là, tout de suite, hein, il repart sur du spam clinch. Je défends le takedown, L2, R2. Il refait un autre clinch en sortie, ça passe pas. Là, il refait un autre takedown vers le haut que je ne bloque pas. Cette fois-ci, il passe. Alors, j'ai toujours un avantage d'endu. Vous voyez son endurance là-haut? Toujours très, très important. Le fait d'avoir cet avantage d'endurance évite que je me prenne facilement une soumission. Là, il fait des feintes. Cette fois-ci, j'ai bloqué. Je ne l'ai pas laissé en tapement, donc j'ai bloqué vers la droite. Et là, je vais essayer de m'en sortir comme je peux en partant en sprawl. C'est une position qui n'est pas trop, trop mal. Mais il va utiliser une transition avec le R1. Vous voyez, ça lui a coûté de l'endurance. Il a fait sa transition avec le R1, mais au moins il s'est remis en position favorable. Là, il fait vers le bas. Je bloque pas. Dans cette position, toujours bloqué en priorité du côté là où il y a le bras au-dessus de votre épaule. Donc là, à droite. Là, je bloque à droite une première fois. Il fait une feinte. Je mords à la feinte. Hop, j'ai bloqué. Ah non, c'était même pas une feinte. C'est deux fois la même transition. J'ai bloqué et je ressors vers le haut. Je prends pas de risque vers le haut. Je repars en backside. Position qui n'est pas très dangereuse. Je ne peux pas faire grand-chose à l'heure actuelle dans cette position. Il peut aller à gauche sur mon dos, ça faut bloquer. Ou il peut aller en bas dans la position où on était à l'instant. Donc, dans cette position, je ne bouge pas. Je suis bien, on est bien. Il tape un petit peu, certes, à la décision. Alors, il veut monter sur le dos. Reste là, tonton, t'as dit en backside, t'es bien. Reste là. On ne va pas l'appeler tonton, on va l'appeler le ratus, le harceleur. Voilà, cette fois-ci, il est monté sur le dos. Hein. Il n'est pas resté longtemps. Donc la position tapement, hein, la favorite de tous les grappleurs et de tous les spammers, c'est une position qui est très très forte cette année. Ouais. Vous pouvez bloquer très facilement. Donc là, je vais passer un sale quart d'heure. Mais il faut être patient au sol. Il faut être vraiment patient. Attendre votre moment pour sortir. Là, j'ai bloqué vers le haut une première fois. Ça va être une longue séquence de grappling où je suis vraiment en mauvaise position. Et le but, c'est de mettre le bras au bon moment. Là, je suis pas bien. Vous voyez, il m'a fait un stun hein, avec le coup de coude. Mais son endurance est toujours assez basse. Et c'est pour ça que je suis assez serein, malgré tout, cette position. C'est très important. Hop, là, j'arrive à lui saisir le bras. Ce qui me permet de temporiser, entre guillemets. Il a encore bloqué, hein, malgré son défaut d'endurance. Là, j'arrive à encore esquiver son jab. Ça fait deux fois. Et cette fois-ci, eh ben, je ne passe toujours pas. Il me bloque encore une fois. Hein. C'est très, très fort. Là. Surtout si vous avez crack de lutte. Donc là, ça repart en soumis. Là, c'est toujours la même histoire, c'est des feintes. Hein. Un coup, il faut que je feinte, un coup, c'est lui qui feinte. Regardez les barres d'endurance pour savoir qui mord à la feinte. Celui qui perd de l'endurance, c'est celui qui a mordu. Vous voyez, il vient de perdre l'endu. Il a mordu à la... Enfin, j'ai pas mordu à la feinte. Là, il a refait une feinte, j'ai pas mordu. Là, c'est une feinte que je fais, il a mordu, donc il perd de l'endurance. T'as capté? Là, c'est tout un jeu de feintes. Et du coup, au final, on est égalité. Et je vais réussir à m'en sortir parce qu'il n'a plus d'endu. Et du coup, j'arrive à faire une sortie. C'est vraiment une histoire de... À vous de vous entraîner à faire des feintes de sortie ou faire la vraie sortie, vous allez comprendre. Vous comprendrez l'histoire de l'endurance. Allez, deuxième round terminé. Je pense que celui-là, on peut lui donner. En mode ratus, pas beau, mais on peut lui donner. Bon, du coup, il faut la jouer assez intelligemment. Hein. Vous avez pu voir le style de combattant. Dès que vous finissez quoi que ce soit, il vous tente ou un clinch ou un takedown. C'est vraiment du spamming hein, intensif. Donc, il faut vraiment être très patient. Si vous êtes en dessous, même pendant un round en entier, ce n'est pas un problème. Donc, bien sûr, ça va repartir sur les mêmes bases. Hein. Il n'a aucune autre intention. Vous avez vu, il fait une feinte vers le bas et un clinch pour faire un takedown. Bon, j'arrive à me relever en faisant le relevé vers le haut. Bon timing. Mais c'est la même chose, hein. Vous voyez, clinch, hop, on tente un takedown, je l'ai bloqué cette fois-ci avec L2R2, celui-là j'étais assez vif. Il passe un puissant qui passe, hein. Mais du coup il fait pas attention à son endu, il est déjà moitié de barre d'endu.
Donc en vrai, au pire, il peut aller chercher que la décision, ce qui est tout à fait probable. Hein. On est round 3, il y a que 3 rounds. Alors j'arrive à me relever assez miraculeusement avec le R1 vers le haut. On part sur la même base, hein. Il arrive toujours un peu à m'amener au sol. Hein. J'ai une mauvaise défense takedown, on va pas se mentir. C'est pas la meilleure que j'ai. Alors, sachant que c'est du top 100, on va dire, hein, ce rat d'égout. Hein. Donc là, il arrive à repartir au sol, hein, mais toujours moitié de barre. Donc je vais jouer beaucoup sur les feintes. Hein. Vous voyez là ce que je fais, j'ai fait des feintes vers la droite. Et je me prépare à bloquer également vers la droite pour pas qu'il monte en top mount. Position haute, c'est la plus dangereuse. Là, c'est pas grave, vous voyez, je fais des feintes là en fait. Hein. C'est pas vraiment des transitions que je tente. Donc je fais joystick vers la droite et j'annule avec le R2 tout de suite pour pouvoir ressortir vers le haut. Vous avez vu? Je fais plusieurs feintes à droite pour au final sortir vers le haut. Je fais la même chose, hein, regardez, feinte vers la gauche. Bon, là, il a réussi à passer sa transition plus tôt, donc tant pis pour moi. J'aurais dû annuler ma feinte et le bloquer, ce que je n'ai pas fait. Donc là, on repart, hein, position qui est la pire, on va dire, hein, c'est la tapement. Donc toujours pareil, il me fait mal, mais pas de panique. Ma barre de tête, elle est grande, il faut savoir analyser. Hein. Vous clignotez, le jeu vous fait peur, mais regardez votre barre de tête et votre barre de blocage. Elle est assez haute, et regardez, un coup, deux coups, trois coups, regardez sa barre d'endu. Ça y est, la barre d'endu, elle est à moitié, donc il va avoir énormément de mal à vous finir à ce stade-là. Donc ça, je le sais dans ma tête. La patience, patience, tu vas la prendre, ta pêche. Donc là, hein, c'est lui pour l'instant qui me l'aimait, avec un coup de coude qui me fait mal, il aurait pu partir en soumis. Ce qu'il fait pas, il décide de repartir en top mount, hein. Il veut vraiment essayer de me terminer comme ça. Encore un coup de coude, hein. Vous avez vu le coup de coude, il descend quasiment toute la barre en entier. Mais ça suffit pas à me tuer, le menton de papy, il est solide. Et là j'arrive à sortir de la top mount. Et je me remets carrément en sécurité en faisant une double transi, je le bloque. Et du coup je vais pouvoir tenter un relevé, mais j'ai mal géré ma barre d'avantage, il me le bloque. Ça part en stacked guard, hein. Il veut vraiment finir en ground and pound, donc il s'agit de bien défendre. Et très important, ne jamais paniquer. Bien analyser votre barre d'endu, votre barre de santé, comparer... Quoi? Tu viens de me faire un fuck là? Attendez, il vient de me faire un fuck là? Ah, il m'a fait un fuck. Toi, t'es mort, toi. C'est vraiment un ratus jusqu'au bout, le mec. Hein. Là, il a réveillé le démon qui est en moi. Il reste 40 secondes. J'envoie tout. Y a quoi? Viens, je veux faire le bagarre. Hein. Comment ça s'esquive? T'es mort. Dodo, monsieur. Dodo. T'es mal à la tête du rat. Attends, guette. Là, il a pris son KO, il est pas bien. On débaroule plein le pif. Ça suffit pas, il s'accroche, il reste 15 secondes. Je décide de me relever. Ça n'en est pas terminé. Viens là. Dodo. Donc j'ai très très bien fini le combat. Je suis rentré dans la tête du rat et j'en ai mis plein le pifton. On finit le troisième round, je pense qu'il est pour moi sans problème. Hop, petite esquive sur le clinch, coup de coude de rat dans sa grosse tête plate. Et voilà, le combat, il est gagné. Je vais vous laisser avec le score des juges. J'espère que malgré tout, la vidéo, elle vous aura plu, même si c'est une petite vidéo à charge. Hein. Comme vous n'en verrez quasiment jamais sur la chaîne, il m'en reste une grosse à faire, vraiment une grosse, mais qui va prendre plus de temps et qui va avoir des dossiers assez anciens, assez intéressants. Hein. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais voilà, en tout cas, restez branchés pour le gameplay, vous connaissez, en espérant qu'on soit un peu plus tranquille pour les prochains lives. Et vous inquiétez pas, d'ici la Ligue, on sera full équipé, les tontons, ça devrait aller sans trop de problèmes. Et je me fais aider par une entreprise, Find My Scammer, pour ceux qui ne connaissent pas les tontons, très très intéressant, allez sur leur site. Allez, ciao, je vous fais une grosse bise, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like. Ciao, ciao.